Monsieur le Premier ministre, Madame Grégoire, Madame Chief Justice, members of the Viceregal family, Mr. Speaker of the House of Commons, Monsieur le Speaker of the Senate, Indigenous people and leaders, représentants des Premières Nations, Ni Danamiquak, Kakina, Ashinabeslik, Uwa Ta Tewach, Achich, Kakina, Megwach, Kadaji, Ni Dutamomach. Et je continue. Membres du corps diplomatique, parlementaires, ministres, Premier ministre provinciaux, ex-premier ministre en attendant, en présence, personnel du service public, distingués invités, chers amis, membres de ma famille, colleagues and friends who came from all over the world. Bonjour. Je vous salue tous ici présents qui avez pris le temps de venir voir cette passation séculaire qui date des gouverneurs de la Nouvelle-France, mais qui est aujourd'hui entièrement canadienne et qui représente le fondement de notre démocratie. Salutations particulières à tous ceux d'entre vous qui regardez de la salle Sir John A. Macdonald. All of you, so numerous in Sir John A. J'aurais aimé que vous soyez là, mais je vous remercie d'être ici. Vous m'honorez tous tellement par votre présence. And for those of you who came from far, so generously, once again, to send me off on an extraordinary journey, you give me the courage to stand right here in front of you today. I bring warm greetings from our sovereign, Queen Elizabeth II, to all Canadians. Her Majesty welcomed my son, Laurie, and I in her estate in Scotland just 2 weeks ago. She gave me the responsibility to represent her here in Canada as Governor General, and I accepted the duty with humility. Although, and the Prime Minister mentioned it already, I know this was going to be a tough act to follow. As I try to stumble my way in the footsteps of my predecessors, in the footsteps of a great man and a great woman, Governor General David Johnson, Madame Sharon Johnson. Merci de m'accueillir dans votre famille. Merci. De ce passé opérationnel, peu orthodoxe, que je partage d'ailleurs avec de nombreuses personnes dans cette salle, je ne m'attendais pas à cette nomination comme gouverneur général. But when duty calls, there's only one answer. Je suis tellement privilégiée, tellement honorée d'avoir la chance de vous représenter et de parler au nom de notre magnifique pays. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais vous remercier de votre recommandation et vous remercier également de la confiance que vous m'accordez. Et si vous me le permettez, j'aimerais aussi remercier un fier jeune homme, ici assis, mon fils Laurier, qui a été l'un des premiers conseillers consultés à ce sujet et qui m'a donné la permission. Pour, si vous n'aviez pas compris, qui m'a donné la permission d'accepter ce poste. J'aurais aimé que cette salle du Sénat du Canada soit plus grande pour nous accueillir tous, pour qu'on soit tous ensemble. Parce que vous êtes vraiment, vraiment venus très, très nombreux. Cependant, I can assure you we're all in this together. There's many eminent scientists in this room and lots of great high flyers, and they would tell you that we are inextricably bound by the same space-time continuum, and sorry, but we're all aboard the same planetary spaceship, somehow. But together,
the adage says. We can move mountains, can we? With the brains and our smarts and our altruistic capability, we can indeed do a lot of good. And it's our duty, to some extent, to help improve the lives of people in our community, to diminish the gap and the inequities here and elsewhere. And maybe if we try hard to work together, then we may have a chance to find the answers, and we may be able to tackle global issues, serious and pressing global issues like climate change and migration, nuclear proliferation, poverty, population growth, and so on, and so on. Because global issues, no borders, no timeline, and they do need truly our attention. Je suis une optimiste, complètement, mais aussi une pragmatique. D'ailleurs, on le voit bien avec le succès de la Station spatiale internationale qu'on peut toujours faire mieux ensemble que séparément. La somme d'un tout est plus grande que la somme de ses parties. En fait, le tout est plus grand que la somme de ses parties. À bord de la Station spatiale internationale, ou encore des gens dans cette salle ont volé, qui orbite autour de la Terre comme un satellite 16 fois par jour depuis, et qui est habité depuis le mois de novembre de l'an 2000, nous travaillons ensemble. Des astronautes, des cosmonautes de pays qui, souvent sur Terre, ne voient pas exactement les choses de la même manière. However, we rarely see the International Space Station in the front of the newspaper because nothing really terrible happens up there. It works. People working together from different nations for a common good. They not only work together, they put effort together and they compromise where it is needed. Somehow, the International Space Station, but also big science, brings us, force us, to think not in the microcosm of nationality only, but to think in terms of what we could do to advance matters and to push the boundary of science as partners, in a collective spirit, and with a peaceful intent. I know that may sound a little unusual for human beings to adopt such behavior when it comes to opening uncharted territories, but hey, that's a promising development, isn't it? Des leçons qu'on pourrait ramener sur Terre peut-être plus souvent et les appliquer autant que possible. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Mais je crois qu'ici, nous sommes dans une position, au Canada, plus que jamais, de faire une différence. Parce que nous sommes riches, riches en valeurs, d'ouverture, de tolérance, d'entraide, de compassion, et parce que nous avons décidé, comme peuple, de partager nos richesses autant que possible. Parce que nous croyons en l'égalité des chances et d'opportunités pour tous. And I am a product of this country. I truly believe that those very fundamental values unite us all. D'ailleurs, mon ancêtre, mon père m'a dit, Pierre Payet, dit Saint-Amour, est arrivé sur ce territoire en 1665. Il était soldat au régiment de Carignan sur l'île de Montréal. D'ailleurs, ceci me permet de saluer et d'exprimer mon admiration et mon respect énorme pour tous les hommes et les femmes qui choisissent de servir en uniforme. Mon ancêtre Pierre Payet était donc un militaire, mais lorsqu'il a eu terminé, il est devenu agriculteur et il s'est installé à la Pointe-aux-Trembles, sur l'île de Montréal. Il a fait beaucoup d'enfants. Plusieurs générations plus tard, sont nés sur l'île de Montréal mon père, moi-même, mon frère et ma sœur, et Laurier, qui est 13e génération canadienne. Quelques années plus tard, un autre ancêtre,
François Payette, celui-là, est devenu coureur des bras. J'imagine qu'il était un bon pagayeur, mais surtout, il était un homme de confiance de la compagnie de l'abbé d'Hudson et un traducteur pour les langues amérindiennes. François Payet est parti explorer le nord-ouest du continent américain et aujourd'hui encore en Idaho. On retrouve une ville, un comté, une rivière et même un parc national qui s'appelle Payet. Clairement, je suis fière de mes origines, mais je me suis rendu compte il y a bien longtemps que tous nos ancêtres, les miens également, avaient été guidés et accompagnés par un peuple extraordinaire, ceux des Premières Nations, qui, avec leur ingéniosité, leur générosité et leur courage, de par les montagnes, à travers les forêts, le long des cours d'eau, ont ouvert les pas pour le reste d'entre nous. C'était les premiers pionniers de cette terre, et ils le sont encore. Pathfinders, they taught us to fight the cold and survive in it, how to appreciate the gifts of nature, and they taught us about community. It is a good thing that we finally decided to listen again to their wisdom. La réconciliation, Kidji, Minu, Widji, Dinanimak. I'm gonna, please bear with me on this one. Kidji, Megweni, Magoniwash, Misiwe, Anisnopek, Achish, Nigan, Abinu, Chija, Ke, Pimadzitiwash. La réconciliation doit s'accomplir pour le bien-être de nos communautés et pour l'avenir de nos enfants. Parlons d'enfants. On a évoqué certaines des choses qui m'intéressaient lorsque j'étais petite. Mais je comprends et je sais à quel point j'ai eu la chance de naître dans ce pays et de naître dans cette famille. Parce que ce sont mes parents, l'éducation, ce que j'ai vu en grandissant et les opportunités qu'on m'a données qui ont fait la différence. Quand j'étais petite, je voulais devenir astronaute parce que je regardais les astronautes aller à la Lune sur l'émission Apollo à la télévision. Pourtant, je ne parlais même pas la langue qu'ils parlaient. Ce n'était pas important. Je voulais faire comme eux. L'important, par contre, c'est qu'on ne m'a pas découragée. Et plus tard, les Olympiques sont venus dans ma ville natale à Montréal, 1976. Et j'ai découvert un monde bigarré, cosmopolite, avec l'exaltation de la haute performance, d'avoir la fierté de représenter son pays. Je voulais faire comme eux. Je voulais voyager. Je voulais devenir olympienne. Mais je n'avais pas le talent. Par contre, on ne m'a jamais découragée d'essayer. It's interesting, and the Prime Minister said that. It's almost as if we talked. We didn't. When you're 8 years old, and you find something interesting and you want to do it again, you dream about it. And then somehow, as we grow older, we forget about this, that we are perhaps able to do things that other people tell us we cannot do. This dare to dream is within us. Fast forward, quelques années plus tard, à l'âge de 16 ans, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse pour aller étudier dans un collège international en Grande-Bretagne. Et Dieu merci, on m'a encouragée à y aller et je suis partie avec mon anglais vacillant, mes deux valises de l'autre côté de l'océan, la tête pleine de conviction, mais pourtant avec si peu de certitude. At 16, when I ended up in a college overseas. I left Canada without a single worry in my heart because I had been given the greatest gift of all, unconditional love. Because when I left,
I knew somehow that no matter what happened, even if I failed, they would take me back. My parents would be there for me, and they still are today. Ma mère Jacqueline, mon père André. Ils m'ont donné des ailes et j'en ai bien profité par la suite, je vous assure. Mais quand je suis revenue de tous ces voyages et ces périples, je suis revenue avec des convictions profondes, un peu simples, mais profondes, que l'éducation, accessible à tous, est la clé de toute société, que la diversité est une richesse, profondément, que le sport, mens sana, in corpore sano, peut nous mener très loin, que l'union fait la force et, désolé, qu'il n'y a pas de recette magique dans la vie, qu'avec l'effort, on peut avancer. And guess what? Effort pays. Somehow, it's been an amazing journey for us now, but I'm a true believer in the strength of teamwork, in the power of dreams, and on the absolute necessity of a support structure. And this is exactly the backbone of this country. This is our fabric. I am convinced that anyone can accomplish anything and rise to the challenge as long as they are willing to work with others, to let go of the personal agenda to reach a higher goal, and to do what is right for the common good. And this is exactly what I hope that my mandate as a Governor General will reflect. L'un des plus grands privilèges que nous recevons, nous les gens qui ont eu la chance de voir la Terre de haut, d'aller dans l'espace, c'est de pouvoir observer cette planète que nous partageons tous, les 7,751,000,000 and counting as of this morning, humains sur la planète. Nous sommes tous de la même race. Et nous partageons ce monde extraordinaire. Ce monde extraordinaire qui nous apparaît comme une bille de marbre sur fond infini de l'espace. Sans frontières, c'est une invention des hommes, avec sa petite atmosphère tout autour. Cette terre, cette planète, nous devons de la transmettre aux générations futures en bon état. Et cette considération devrait nous accompagner dans tous nos choix et dans toutes nos décisions. Mais à voir le nombre de jeunes personnes qui sont ici, je pense que ça va bien aller. Canada, we really have a lot of work to do. I think the path is for us to just take, trust science, believe that innovation and discoveries are good for us, and make decisions based on data and evidence. We are the true North, strong and free. And we should continue, all the time, to look out for those who have less, to stand for those who can't, to reach out across differences, to use our land intelligently, to open our borders and welcome those who seek harbor, and never, ever cease to be curious, ask questions, and to explore and search. Oh, and by the way, we shouldn't forget to be happy about celebrating who we are and what we'd like to become. Et les jeunes qui sont dans cette salle nous démontrent, ici, dans le Sénat du Canada, le plus haut lieu de gouvernance de notre pays. Tous ces jeunes nous montrent que le Canada est en bonne main. Mes amis, visez haut, osez rêver, et Monsieur le Premier ministre m'a volé ma ligne. C'est vrai, ne pas avoir d'inquiétude, parce que maintenant, c'est bien démontré, preuve à l'appui, the sky has no limit. À la vie qui nous unit. Merci.